prepare fertilizer. Fertilisant pour cuir chevelu. Donc je vais appliquer. Ce protocole-là, j'essaie de le faire tous les 2 semaines. Vraiment. Et là, vu que mes cheveux ont pas mal poussé quand même, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais tenter de les définir à fond, à fond, à fond. De les structurer à fond. Et ça m'éviterait. Je les portais comme ça sous ma postiche. Et ça m'éviterait de faire des vanilles, quoi. C'est ce que je compte faire tout à l'heure. Parce que franchement, c'est... Hotep, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Ilike, je suis créatrice du concept Ta Renaissance. Car Trop Ta beau Renaissance, concept. c'est plus qu'une marque, mais c'est aussi une marque dédiée aux cheveux afro texturés. Chocolates. Les soins Ta Renaissance, que j'appelle la pâtisserie capillaire, est vraiment une fusion de l'art capillaire de l'Égypte antique et de ma passion frénétique pour la pâtisserie française. Je suis pâtissière et aussi formulatrice de produits cosmétiques naturels. Ta Renaissance, c'est vraiment les produits qui vont au-delà de votre génétique, clairement. À travers mes recherches, à chaque fois, je découvre des choses et je me dis, on ne connaît Par contre, pas je vais nos devoir cheveux. doser sur les cheveux de devant, hein, Voici parce ma que c'est sœur mes en train cheveux les plus d'appliquer les épars. produits Ta Renaissance. C'est une histoire de famille aussi. Alors, me voici quelques années en arrière, bientôt, je pense, 6-7 ans en arrière, en train de galérer avec mes cheveux, en train de... J'ai aloe vera, j'ai tout fait. Et me voici quelques années après, une fois que j'ai découvert le protocole, les procédures à travers mes recherches, des techniques, des méthodologies et des produits adaptés, voici ce que j'obtiens. Des cheveux souples, des cheveux méchés, des cheveux versatiles, mais réellement versatiles. Ici, je porte ce que j'ai nommé des curl locks. En fait, c'est simplement une structuration intense des boucles comme ici. La vraie coiffure protectrice. Maintenant, je vais te raconter la suite de mon incroyable histoire capillaire. Si tu n'as pas suivi l'histoire, je te conseille d'aller regarder les premiers épisodes pour mieux comprendre. Alors, revenons à notre histoire. Au bout de 2 mois, non, au bout de 1 mois, quelques semaines, j'ai défait mes tresses et j'en ai refait d'autres. Donc, le premier pot que vous, le pot jaune que vous avez vu passer, c'est ma première création pour stimuler les bulbes dormants. Donc j'ai utilisé le Flanchic Thai, le Crumi Citrus, le Sweet Milky Thai, la routine classique en fait avec le White Chocolate, tout au long de tout le temps où j'ai porté mes tresses. J'ai une façon de les utiliser que je vous montrerai dans une vidéo. Ensuite, les événements de cette époque-là, c'est le marché afro-caribéen. Je devais participer, mais j'ai pas pu. Pendant ce temps-là, mes tempes, ils sont pleins. J'ai jamais eu de tempes aussi pleins de ma vie, je pense. Mes tempes et ma raie sont pleins. Je sens que mes cheveux poussent partout. Quand je masse mon cuir chevelu, je sens de la densité. Ensuite, eh ben voilà, toujours hein, les desserts. Hein. Donc là, on va être, je pense, au mois de mars, par là, mars-avril. Donc pareil, je m'éclate. Là, c'est un chou fondant avec une crème glacée vanille que j'ai faite au taf. Mon Dieu, avec une petite cuillère, avec une petite sauce, je pense au carambar, je me rappelle plus. En tout cas, mes clients, ils ont kiffé. Ensuite, on va dire au taf. Mais ça le fait bien, hein, je te jure. Ouais, c'est sûr que ça le fait, ouais. Non, mais ça fait vraiment... T'es fatigué toi aujourd'hui, non? Hein? Ça le fait. Elle est fatiguée. Ça le fait trop C'est parce bien. qu'elle fait trop de cochonneries. Là, tu l'as blessé, là. Elle sait que je dis la vérité. Mais franchement, j'ai inventé l'éventail
biodégradable. Vous imaginez? C'est pas trop top ça? En été, tu sors de ton sac et tu fais tout, tout, tout. Non, mais déjà, t'as fait les cuillères en chocolat. T'as vu? Cuillères en chocolat et crêpes éventail. Crêpes éventail. Non, mais quand elle parle comme ça, tu vois qu'elle a dit qu'elle est fatiguée. Je te jure. Elle est fatiguée, je te jure. J'ai l'impression que je suis en train de péter les plombs là. Ah putain, là, je vais commencer à rigoler pour un oui ou pour un non bientôt. Tu vois? Là, allô, s'il vous plaît, j'ai mis à tremper des haricots. Hein, après cette petite pause, revenons aux capillaires. Donc, déjà avec ma crème vitaminée, mes cheveux ont commencé à pousser. J'ai commencé à avoir des duvets, ce n'est plus lisse, lisse, lisse comme avant. Et j'ai remarqué que ça tenait. Donc c'est là où j'ai compris encore qu'il ne fallait pas simuler. Il fallait d'abord utiliser des soins plutôt apaisant, nourrissant, revitalisant, avant de stimuler. Parce que quand le bulbe il est faible, quand on stimule, c'est comme demander à un malade de courir le marathon. Donc voici enfin ma première gamme pour revitaliser et stimuler le bulbe, les bulbes dormants. Donc ce pack-là, j'ai commencé à en l'envoyer à une Taïna qui souffre d'alopécie due à des soucis de santé qu'elle a toujours, qui est génétique. Donc, je lui ai envoyé. Et voilà. Donc, ensuite, toujours des tests. Moi, j'arrête pas avec les tests. Ça, c'est le cajou que j'ai testé. Je voulais tester pour voir si on pouvait, en fait, modifier ses propres boucles. Est-ce que c'est possible ou pas? Donc, quand j'ai appliqué, j'ai gardé à peu près 5 heures de temps. Et j'ai remarqué effectivement au rinçage que mes boucles naturelles étaient modifiées. Étaient légèrement modifiées en tout cas. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà testé, qui a plutôt pas mal fonctionné. Donc bon, je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. Je vous en parlerai, c'est quelque chose que je compte faire de toutes les façons une fois mon problème d'alopécie complètement résolu, parce qu'on ne peut pas régler à la fois, comme j'ai dit, il faut focus son énergie quelque part, quoi. Ça, c'est mon premier patch revitalisant. L'idée m'a été donnée par mon chimiste Didier. On parlait, j'étais chez lui une fois, il devait faire des patchs pour les poches des yeux. Il me l'a posé au niveau des yeux et j'ai ressenti un effet. J'ai dit waouh, ça peut être super top en fait pour les cheveux en fait. Ouais. C'est voilà. Merci Didier au passage. À côté, j'ai déjà commencé à avoir des prémices pour ma gamme Lox parce que je compte aussi faire une gamme Lox. Ah oui, j'adore les Lox. Mon frère, il porte des Lox aussi, donc voilà. J'ai commencé à travailler un petit peu, ça va être plutôt des trucs très gourmands, pareil, des mucilages de bananes, des trucs qui vont pénétrer, mais forcément pas, voilà, sans résidus, qui vont hydrater intensément, qui vont nourrir intensément, vu que la particularité des locks, c'est vraiment le côté résidu, il faut que les soins soient très fluides. Ça, c'est un shampoing et un leave-in, j'ai commencé à formuler déjà pour les locks. Ensuite, je me suis focus sur autre chose que mes cheveux. Je voulais perdre les 5 kilos que j'ai gagnés après mon opération. Vous allez dire, non, Ediki, t'es bien tel que tu es, il n'y a pas de souci, machin et tout. Mais moi, non. Franchement, je me sentais tellement bien mieux avec mes 5 kilos en moins. Vraiment, j'étais trop légère. Donc, je pense que vous avez vu cette vidéo, je l'ai postée. Ouais, c'est Kélis. D'ailleurs, je dois la coiffer pour les vacances. Kélis, mon égérie, voilà, c'est cette coiffure-là, le résultat, ça avait donné ça, c'est un afro déstructuré, structuré. Quand je pense que Kélis, on est parti de là quand même, hein. On est parti de là, ok, c'est juste un truc de ouf, comme quoi, quand je revois les vidéos, je dis waouh, la dernière fois je l'ai vue, vous allez voir, je vais faire une vidéo sur elle, mais elle m'a dit, mais Ediki, mes cheveux ont tellement poussé. C'est incroyable. Elle était super contente. En tout cas, je suis contente qu'elle soit contente. Bon, revenons à moi. Donc, voici, vous voyez bien que ça commence, ça continue à se remplir, ça ne tombe plus. Donc, le truc, c'était ça. Revitaliser.
Donc, me voici toujours en dessert, bien évidemment. Ça, c'est une crêpe fourrée avec une crème brûlée, une crêpe dentelle. J'adore les desserts. Je sais que vous avez compris, mais oui, je kiffe les desserts. Donc voici, ça commence, vous voyez, la fente commence à se refermer petit à petit. Et j'étais super contente. Donc voici encore entre-temps mes égéries, les cheveux de mes égéries. J'adore leurs cheveux, c'est tellement diversifié. C'est juste incroyable la diversité qu'on a du côté capillaire dans l'afro. C'est juste un truc de ouf. Elle, c'est ma petite sœur chérie. Et voilà, j'ai commencé aussi à tester mes produits sur les locks, sur les mâles. Voilà, le shampoing, le leave-in, et tout ça, le gel pour pouvoir faire des retwists. Et tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, moi je suis passionnée de capillaire. Oui, je sais que vous avez compris aussi, mais de tout type, hein, vraiment. Mais que ça reste dans le domaine afro. Voilà, je suis inspirée que par. Que par le domaine afro, en tout cas pour l'instant, parce que j'estime qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à découvrir, à redécouvrir, à découvrir encore. Ça, c'est la mèche que j'ai faite quelques jours après. Non, mais monsieur, attendez. Bon, bref. Voici une encore de mes créations. Non, mais Toujours, j'étais c'est hyper intéressant. productive. L'alopécie m'a rendue hyper C'est du productive. gelé Ma bouclé, en l'alopécie. fait. M'a rendu genre, tu cherches quoi. J'arrêtais pas de chercher, mon cerveau il fusionnait, j'arrivais même pas à dormir, c'est un truc de ouf. Donc voici, ça continue à se refermer tranquillement. Donc le gommage enzymatique que j'ai envoyé à une Taïna. Et ça, c'est ma nièce. Regardez comment on peut faire des trucs comme ça. Comment? À l'enfant. Bref, ça c'est pareil, une crème violette, naturellement violette, qui change en fonction du pH de la crème. Non mais franchement, je pense que. Avoir de l'alopécie, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Regardez-moi encore ce plat. Oui, je suis fan de bouffe parce que c'est l'énergie, c'est l'énergie. Petite Asaproki. Regardez les gars, heureusement mon frère, il ressemble pas trop à Asaproki. Enlève tes mains là, pour qu'on te voit un peu là. Anouche, La gossure. voici mon âme sœur de cousine. Soso, moi je vous présente un petit peu ma famille. Hein. Là, je suis partie voir ma famille là, mon petit. Tu fais un coucou? Tu fais un coucou? Ah, du coup, roaming, vous êtes en anglais, moi j'ai toujours. Ah, Prends-le par la peau, viens, je te montre. Ah, rien. Non, mais Colin, toi là, tu vas traumatiser l'enfant des gens. Ouais, C'est ça, ok. faut que sa tête reste droite. Ok, comme ça. Voilà. Ok. Et. Top. Tout, 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 tout. Donne à Oh, il Elia, a tu vois, ce peur. qu'elle devait faire. Allez, Elia, tu fais câlin? Non, sérieux. Oh, c'est trop chou. Tu fais câlin. C'est bien ma crotte. Oh Quand toi là t'étais petit, où tu voulais tuer Ah tout oui. le Elle fait un câlin. Coucou. Elle fait coucou aussi. Coucou Lia. Il est trop chou. Regardez-moi cette bouille. Là, je vous mets le papier, le collet, pour que vous voyez à quel point mon frère ressemble à sa perroquille. Dites-moi, il ressemble pas trop à sa perroquille? Moi, je trouve qu'il ressemble vachement à sa perroquille. Bon, dites-moi en commentaire. Ensuite, il est venu du coup chez moi à Toulouse. Ah, oh, j'aime trop mes frères et sœurs aussi. Je pense que vous avez compris, c'est les amours de ma vie. À sa proquille Ensuite, elle est repartie et m'a abandonnée seule. Seule. Si ma fille m'entendait parler. Donc voici, je suis on fleek. Ça sent l'été. L'été, j'adore m'habiller. C'est un truc de ouf. Ensuite, là, j'ai tout défait. J'ai défait mes tresses. Donc, on voit bien que ça commence à pousser. Je me suis fait les ongles, ouais. Donc, on doit être au mois d'avril. Je pense que mon frère est venu au mois d'avril. Très Les rapidement, cheveux ont commencé c'est vraiment à pousser intéressant. début Ça mai. finit tellement La rapidement, c'est suite un truc de pour ouf. la prochaine fois, au thème.